Frères et sœurs de la foi, nous appendez à tourner les pages de notre Bible pour que nous, nous retrouvions en Jude. Jude, gagne euh, un seul chapitre et pour notre étude, nous préal fait la lecture des trois premiers versets. Jude, les trois premiers versets. Mais espérer que chacun de nous, nous on connaît que nous sommes à l'école du Seigneur. Et étant à l'école du Seigneur, nous devons avoir avec nous notre Bible, un morceau de papier et un crayon. Et je lis pour vous. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Je reprends pour vous le troisième verset, bien aimé. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. À combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes les semaines passées, nous avons possibilité pour que nous te considéré avec non les deux versets introductifs, les deux versets qui servit comme introduction. À cette lettre que Jude t'a adressée à tous ceux qui sont appelés, tous ceux qui sont aimés en Dieu le Père et à tous ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Donc, cela veut dire les chrétiens euh, de toutes les classes, de toutes les races et de toutes les générations. Et ça t'a porté, nous, à premièrement. De noter l'identification, ça c'est un, la destination, ça c'est deux, et la salutation que Jude a fait, ce sont les trois points importants que nous avions considérés. Pour l'identification, il est important de noter que Jude a bien notifié pour que tout le monde connaisse qu'il est le serviteur de Jésus-Christ et qu'il est frère de Jacques. Et comme on connaît, puisque nous avons débattu en long et en large, que Jude, c'est le fils de Marie. Marie, qui est la mère est, est de Jésus, n'a pas les deux sur le plan humain. Donc, Jude est le demi-frère de, de, de Jésus-Christ. Mais il le dit clairement, il est serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Ça c'est pour l'identification. Pour la destination, nous te dit très clairement, il s'agit des récipiendaires de Silaïo qui t'apprêt recevoir eh, eh, cette lettre, qui t'apprêt à eh, faire la lecture de cette épître et nous capables de nous-mêmes tout, nous retrouver nous, parmi les récipiendaires. Ce sont les appelés, ce sont les aimés en Dieu et ce sont les gardés pour Jésus-Christ. Mais nous t'ai dit que troisièmement, Jude présentait et, et une salutation qu'il a bien formulée. Jude présentait les voeux de son cœur. Jude présentait les voeux de son cœur à sa manière nous prenez nous compte que jude n'est pas formulé salutation là à la manière de l'apôtre paul qui dix fois dans les lettres de de, de, de l'apôtre paul dans les épîtres de l'apôtre paul l'apôtre paul toujours utilisait cette formulation que la grâce et la paix vous soient données. Entendez ça bien. L'apôtre Paul, en dix fois, dans ses épîtres, lui formulait salutation de cette manière que la grâce et la paix vous soient données. L'apôtre Jean, en Apocalypse, les même lit utilisés et... La même formulation de salutation ou en est que l'apôtre Paul toujours fait. Que la grâce et la paix vous soient données. Mais nous prenons que Jude ait prêté ma attention là parce que Jude aurait pu utiliser la même formulation que l'apôtre Paul. Ou bien s'il t'avait changer, s'il voulu dit que la grâce et la paix vous soient données, au moins il t'a dit que la grâce et la paix vous soient additionnées, puisque la grâce 1, la paix 2, qu'il les additionne, je ne suis pas utilisé ni le terme donné, ni le terme additionné, que moi-même, moi, moi pensé. Nous prenons le que Jude dit il met le comble à ses voeux. Et l'homme dit que Jude mettait le comble à ses voeux, cela veut dire que Jude renforçait ça de telle sorte que mon Dieu, si vous laissez vous verser dans les Saintes Écritures, si vous laissez imprégner par la parole de Dieu, vous prenez à quel niveau. ke li formule se ve. E li se mdi nou, se sko la potre pierre a fe dan le deus epitre ke li men li ekri nan un pierre e de pierre. E la e jude pral fe menm jan avek la potre pierre, li pral utilize le term multipliye. La, ma pande nou retoune nan tekst la, pou nan le oue, ki sa ekzaktman Jude dit et comment le formuler il dit que, que la miséricorde, virgule, la paix et la charité, ça fait trois points importants. qu'à additionné, non, il dit vous soient multipliés. Ok, donc ça t'a semblé puisque me dit non, non seulement ce sont des vœux exprimés. Par Jude, mais c'est aussi une requête. C'est comme s'il t'a demandé, bon Dieu, pour le faire déclencher une machine dont la productivité des bienfaits est perpétuelle. M'ra le reprend samedi. C'est comme si Jude t'a voulu dire, bon Dieu, où est bienfait que vous gagnez pour les appeler. Les aimer en Dieu et les garder pour Jésus-Christ, que ces bienfaits soient perpétuels. Et puis, c'est comme une machine de telle sorte que le cas multiplié de jour en jour. Donc, Jude a parlé de la faculté de la machine divine à produire tout ce qui est bon en ma faveur, en votre faveur. Donc, nous nous rendons compte que. Les facteurs des vœux de Jude, une fois évoqués, Jude exprime son désir. Jude exprime désir, ça qui a brûlé l'enquête là, au niveau le plus élevé. Jude a parlé de multiplication. Jude a parlé de multiplication. En effet, mes frères, mes soeurs bien-aimées, le noté dans. Euh, 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 classe préparatoire, nous nous rappelons qu'on qu a parlé non de multiplicande. Multiplicande, multiplicand là, c'est est ça qui est en l'air. Donc, nous nous rendons compte que, ici, dans ce texte, dans ce texte, si les multiplicandes sont exprimées, je parlé de multiplicandes là. Nous prenons que Jude mette et, et, et euh, euh, en évidence. La première multiplicande, c'est la miséricorde. La deuxième multiplicande, c'est la paix. La troisième multiplicande, c'est et, 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 la charité. Donc, toute multiplicande ça, Jude mette y en évidence. Et seul bon Dieu connaît. Seul bon Dieu connaît qui est capable de déterminer les multiplicateurs. Seul bon Dieu capable de déterminer les multiplicateurs. Alors, l'idée de Jude, l'idée que Jude gagne en tête, c'est que l'état a que ces facteurs grandissent. L'état que ces facteurs euh, yo intensifié, yo, que yo développé yo, indéfiniment. C'est comme si euh, l'État aimait que nous arrivions à quelque chose d'inestimable, quelque chose que le monde ne pas croire. Donc, nous nous rendons compte que les serviteurs-là utilisaient le terme multiplié. Et lui présenter ces trois facteurs que le monde bon Dieu pour multiplier en ma faveur, en votre faveur, mes frères. Il faut que nous laissions nous percer. Il faut que nous laissions nous percer par l'évangile de telle sorte que nous capables de comprendre ce que Jude a exprimé. Ceci étant dit, nous, nous rendons compte, c'est comme si juste à parlé de l'augmentation, que la miséricorde de Dieu s'exerce sans mesure à votre égard, à mon égard. Deuxièmement, il t'avait parlé de accroissement, que la paix de Dieu est avec Dieu. Nous comprenons ça, m'a dit là. Les parlé, parce qu'après la miséricorde, Jude utilisait la paix. Il voulait que la paix augmentait, que la paix s'accroisse. Mais la paix de Dieu et la paix avec Dieu. dit de l'autre façon, la paix en soi aussi, la paix en moi-même, la paix dans eux-mêmes et la paix avec les autres. Oh, nous avons tant besoin de cette paix en ces derniers jours. Que la paix abonde. Que la paix s'accroisse pour vous de jour en jour. Donc, voilà les raisons pour lesquelles Jude mandait que cela soit multiplié. Et troisième facteur que le pralpitier dit, c'est que la charité est capable de continuer. La caille, La caille à produire des fruits bienfaisants. Alors, Jude... Utilisez le terme multiplié. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Alors, question que nous t'a posée, pour qui s'ajude, il parle, il prie et il souhaite. Tout cela, de cette manière. Bon, ben, je reprends la question. Pour qui ça, Jude, t'as souhaité, puisque l'apôtre Paul a parlé que la paix et la grâce et la paix vous soient données, mais pour qui ça, Jude, monter à un cran supérieur, demandez que cela soit multiplié. Et me t'as posé cette question. Qu'est-ce que tout cela nous laisse penser. Qui ça s'apporte à penser, à réfléchir? Si Jude s'adressant aux appelés, aux aimés en Dieu, à ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ, s'il s'adresse à nous de cette manière, s'il prie pour que cela soit ainsi pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela me laisse penser Qu'est-ce que cela vous laisse penser, mon frère, ma soeur Bon, dis-nous. Ça laisse me penser que nous sommes, étendez ça bien, nous sommes un peuple spécial. Et c'est écrit dans les saintes écritures. Un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal. Donk nou soms an people spesyal. E an tanke spe, people spesyal, nou devon tenir kontan. Tande sa bien, mon frè. Nou devon tenir kontan de notre evitasyon. Bamrodi samdia. Puiske nou soms an people spesyal, Parce que si Jude capable de parler comme ça, en notre faveur, nous sommes un peuple spécial, devant tenir compte de notre invitation. Nous sommes des appelés. Nous sommes des appelés. Et Kounia, où t'as demandé, à quoi suis-je appelé à quoi suis-je appelé Puisque nous sommes un peuple spécial, nous devons en tenir compte. En allant Romain Romains chapitre 1er, le verset 7. Romains le chapitre 1er, le verset 7. Et là, nous prenons compte du premier motif de notre appel. Le premier motif de notre appel, Romais chapitre 1, le verset 7, l'Ambral prend simplement un membre de phrase dans ce chapitre pour me dire dans ce passage, bien aimé de Dieu, virgule, appelé à être saint. Bon, pour nous. Bien-aimé de Dieu, virgule, kou ni atende sa bien. Apele a etre saint. M'espere ke nan vini, ou nan yon lot okasyon sur se term, parce ke ni mwen ni ou, nou bezwen perse la signifikasyon de se term, Pour nous comprendre qu'en tant que peuple spécial, à qui Jude adresse sa lettre, que nous devons tenir compte de notre invitation en tant qu'appelé. Mais deuxièmement, nous devons tenir compte de notre position. me ben, dit ça pour nous. Nous devons tenir compte de notre position. Position où ça Position en Dieu. Nous sommes un peuple spécial. Nous sommes un peuple spécial. D'accord. Nous sommes appelés à être saints. C'est ça notre invitation, premièrement. Mais deuxièmement, nous devons tenir compte de notre position. De notre position en Dieu. Nous, de nous trois textes. Le premier, nous connaissons très bien. Nous euh, n'avons pas besoin de faire lecture de ce texte de Corinthiens 5, le verset 17. Nous sommes en Christ. Mais Galate 3, le verset 27. Galate 3, le verset 27. Nous prenons positionnons. position. Vous tous, virgule, qui avez été baptisés en Christ. Vous tous, virgule, qui avez été baptisés en Christ. C'est là ma position. C'est là votre position. Donc, vous êtes quelqu'un de spécial. Donc, Jude s'adresse à des gens qui gagner une valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ce que je dois savoir. C'est ce que vous devez savoir. Premièrement, nous devons tenir compte de notre invitation. Nous sommes des appelés. Deuxièmement, nous devons tenir compte de notre position en Dieu. Galate 3, 27. Mais maintenant, Ephésiens chapitre 1, le verset 3. M espérez que la Bible nous côté nous et que nous na, na feuilleté jusqu'à ce que nous arrivions dans Ephésiens, le chapitre 1, le verset 3. Côté nous prenons ces paroles L'apôtre Paul écrit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça Dans les lieux célestes En Christ. Dans les lieux célestes En Christ. Donc ma position, position PAO, c'est en Christ, mon frère. C'est en Christ, ma soeur. Donc vous êtes quelqu'un de spécial. C'est en vérité nous t'éconnais, valeur nous devant bon Dieu, ce serait extraordinaire. Donc, nous sommes un peuple spécial et en tant que tel, troisièmement, nous devons tenir compte de notre conversion. Et là, prêtez-moi attention, nous, moi dit nous devons tenir compte de notre conversion parce que maintenant, non seulement nous sommes en Dieu, nous sommes en Christ, mais nous sommes pour Jésus-Christ. Et c'est ça, je t'ai dit que nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Nous songez que euh, 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 dans l'étude euh, que nous t'ai fait avant, nous t'ai montré au bien que vous êtes la possession de Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes pour Jésus-Christ. Et pour aider nous à comprendre ça, en nous feuilletant Bible-là, dans Ephésiens, le chapitre 2, le verset 19, parce que moins dit que nous sommes un peuple spécial devant tenir compte de notre conversion. Ephésiens 2, 19, là l'apôtre Paul écrit, ainsi donc, nous ne sommes plus des étrangers Tendez ça bien nous ne sommes plus des étrangers virgule ni des gens du dehors mais espérez que nous rendons compte de ce qui est dit ici en Éphésiens le chapitre 2 le verset 19 nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors mais nous sommes concitoyens des saints virgule gens de la maison de Dieu donc nous devons tenir compte, nous devons tenir compte de notre invitation, nous devons tenir compte de notre position en Dieu, et troisièmement, nous devons tenir compte de notre conversion. Et quatrièmement, mes frères, en tant que peuple spécial, nous devons tenir compte de quatre mots importants. Tendez ça bien, ça m'a dit là. Nous devons tenir compte de quatre mots importants. Pour qui ça? Parce que ce sont des mots qui traduisent la situation. Oh, m'a pas ajouté la situation favorable du croyant. La situation favorable du chrétien. Et quels sont ces quatre mots? E mwen kwa ke an tanke kretyen, se kak mwo ki dwe interese nou. Li dwe interese m, li dwe interese ou. Le pwemye mwo se salu. Salu. Salu obtenu. Non nan rezon de liyen familial. Ban mwen repren samdi la. E mbral di nou pou ki samdi sa. Salu. obtenu non en raison de lien familial, parce que Jude qui écrit ça, c'était demi-frère de Jésus-Christ, puisque c'est un enfant de Marie, c'est lui sorti dans les entrailles de Marie, Jude. Donc, salut, pas en raison de lien familial, du fait que c'est demi-frère de Jésus-Christ, mais salut par la grâce. Et la foi en Jésus-Christ le Sauveur. dit-il ben, pour nous, salut par la grâce et la foi en Jésus-Christ le Sauveur. Donc c'est un mot qui doit avoir toute son importance, ni pour moi, ni pour vous en tant que chrétien. Mais le deuxième mot que moi, je les mettre en évidence que en plus, le monde pas prêter attention à lui-même, c'est la sanctification. La sanctification. Le premier, c'est un S. Le deuxième, c'est encore un S. La sanctification. Parce que ni moi ni vous, nous sommes appelés hors du monde. Tendez ça bien. Nous sommes appelés hors du monde pour que nous retrouvions-nous en Jésus-Christ, pour que nous retrouvions-nous en Dieu. Cela veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des gens sanctifiés, gens de la maison de Dieu. Donc, appeler hors du monde pour se retrouver en Dieu, c'est ça, la sanctification. Troisième mot important, moins moi, je les partager avec nous, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Peut-être, nous ne pouvons pas demander, mais, frère dans cette étude qui ont fait arriver jusque-là, parce que nous avons trois premiers versets dans Jude, comment osez-vous parler de sécurité? Jude, lui-même, il l'a exprimé en retournant dans les trois premiers versets. Nous prenons que le croyant, mes frères, est gardé pour Jésus-Christ. Bon, dit Moyo encore, gardé pour Jésus-Christ. Cela veut dire que la garde est montée autour de nous. La garde est montée autour de nous, donc nous sommes en sécurité, bien gardés pour Jésus-Christ. Donc les mots ont leur valeur. Ce sont des mots qui que moins doit chéri que ou même doit chéri. Salut, sanctification, sécurité, ça fait trois S. Donc quatrième S qui vient c'est le service. Le service c'est la joie et la fierté. La joie et la fierté d'être au service du Seigneur. Wow. La joie. Je dis la joie parce que, fort non en face de moi, pour moi qui j'en figure, rayonner de joie, parce que je suis au service du Seigneur, au service de Dieu. Mais aussi la fierté. Waouh! Qui est-ce, moi? Qui est-ce, moi? Donc, la joie et la fierté sont l'apanage de celui qui est appelé au service du Seigneur. Bon, on veut dire, la joie et la fierté sont l'apanage de celui qui est appelé au service de Jésus-Christ. Alors, je comprends que, pour qui raison, que Jude écrit de cette manière que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Jude, vraiment, est très profond. Dans, euh, 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 dans ses réflexions. Et nous espérons que le yon t'a gagné un vœu pour l'autre, le yon a gagné un souhait à formuler pour l'autre, que du plus profond de notre cœur, nous t'a souhaité que cela soit multiplié. Alors maintenant, mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous allons aborder la communication de Judas. La communication, ça vraiment que Jude voulait communiquer euh, au destinataire de sa lettre. Deux questions, je dirais même deux questions pertinentes me retiennent la pensée. Deux questions pertinentes me retiennent la pensée. De qui ça même, Jude, voulait parler. De quoi Jude veut-il parler Deuxième question. Pourquoi Jude veut-il écrire Qui s'apportait Qui s'apportait Jude à écrire une épître, une lettre Monsieur parfait, deux, deux chapitres, trois chapitres, un seul chapitre. Il dit tout ce qu'il doit dire. Mais espérez que Bible nous toujours devant nous et maintenant, nous en aller au verset 3. Jude, le verset 3. Et je lis pour vous. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Bon, dis-nous, nous Dernier que nous prêtons là toute attention parce que Jude utilisait des mots qui attiraient attention. Normalement, en bon français, Jude a dit Bien-aimé, comme je désirais. Vous écrire au sujet de notre salut. Je le fais afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Point. Mamoué dit le Il tape clair. Bien-aimé, comme je désirais vous écrire au sujet de notre salut, je le fais afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Qu'on, ça c'est moi qui dis le ça, mais c'est pas ça je dis. Je dis bien-aimé comme je désirais vivement et maintenant, nous soulier. Monsieur utilisez un adverbe. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, monsieur ajouté. Il aurait pu dire au sujet de notre salut, mais l'ajouter de notre salut commun, ça fait deux mots que l'ajouter en plus. Monsieur, au lieu de dire je le fais, monsieur écrit de préférence je me suis senti obligé de le faire. Comprendre ça bien ça devient une obligation je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi et puis l'ajouter qui a été transmise au sein une fois pour toutes alors ce verset est introductif là jude dit Jude dit ouvertement, ça t'a brûlé en Premièrement, elle utilisait le verbe désirer, comme je désirais, suivi de l'adverbe vivement. Pour qui ça? mettait « vivement. C'est pour exprimer l'intensité de son impatience. Bon, moi je dis encore. Pour exprimer l'intensité. C'est comme si Gombagay Kaboulel n'est pas il est impatient à écrire. Je désirais vivement vous écrire. Et m'espérer que non seulement les destinataires d'autrefois comprendre ce terme vivement, les raisons pour lesquelles Jude mettait là, m'espérer que nous-mêmes suivent là. Nous, qu'à comprendre l'intensité, l'impatience de Jude pour, pour communiquer avec si ce se là Donc, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut et puis l'ajouter commun. Il s'agit de votre salut, mon frère. Il s'agit de votre salut, ma soeur. Et nous carons, nous rendons compte que les mêmes tous viennent participer à ce salut offert par grâce et par la foi en Jésus-Christ. Alors, monsieur, parlez de salut commun. Mais regardez bien. Deuxièmement, il fait part de la raison de son obligation. On dit il fait part de la raison de son obligation. Et quelle et la raison de son obligation. Parce que je me suis senti obligé de le faire. Et puis, la raison, afin de vous exhorter. Quelle est la raison Oui, la raison, c'est l'exhortation. La raison, je veux vous exhorter. Et Silayo qui te gagné, chance, qu'on fasse t'expliquer, non, les différences qui existaient entre exhortation et prédication. Donc, la raison principale de son obligation, il y a une exhortation à faire passer et qu'est-ce que qui s'allier c'est une communication orale ou écrite pour inciter tenter inciter comprendre le mot que utilisez là c'est une communication orale ou bien écrite servant à inciter et même engager d'autres en ce qui est juste droit correct et sain surtout pour les bien-aimés en Jésus-Christ. Bon samedi. L'exhortation, c'est une communication orale ou bien une communication écrite qui sert à inciter non seulement à inciter, qui sert aussi à engager l'autre monde en ce qui est juste, en ce qui est droit, en ce qui est correct et j'ajoute en ce qui est sain. Surtout pour moi-même, surtout pour vous-même. Donc, je dis, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Et maintenant, il prend le bail troisièmement, l'objet de son exhortation. Il a besoin que nous suivions pas à pas. Il a donné la raison de son obligation. Maintenant, il va donner l'objet de son exhortation. Et quel est l'objet de son exhortation Combattre pour la foi transmise une fois pour toutes. Combattre pour la foi transmise au sein. Une fois pour toutes. Donc cela veut dire que euh, Jude fait mention de quelque chose d'extrême importance. Il parle de la foi. De la foi transmise. Il parle de la foi. Cela veut dire... La foi semée, la foi semée, la foi germée et la foi nourrie par l'évangile. Regardez, moi, je dis de trois manières et m'espérer que nous saisissons à ma La foi semée. Non seulement la foi semée, mais la foi germée. Et c'est ça qu'on a souhaité dans le cœur de chacun de nous. Et troisièmement, la foi nourrie. Par l'Évangile. Nous devons nous nourrir-nous journellement par l'Évangile. Et c'est pourquoi en Romains, 10, en Romains 10, le verset 17, là, l'apôtre Paul écrit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. »« Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En effet, mes frères et mes soeurs bien-aimés, l'apôtre Paul t'a prédit dans Galates 1er, le verset 8. Et ça, c'est pour te mettre en garde. En garde, même Jean, c'est une exhortation de la part de l'apôtre Paul. En Galates 1 le verset 8 dit Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, nous sommes capables de dire que pour Paul, même Jean que le pour tous les chrétiens authentiques, la pureté de l'évangile, je parle de la pureté de l'évangile. Et m'espérer que nous comprenons le côté miel là. La pureté de l'évangile est si importante. La pureté de l'évangile est si importante que même les apôtres ou un ange devraient être maudits éternellement si yo tape. Pensez qu'on est capable d'altérer le contenu de l'Évangile de Jésus-Christ, parce que on est sauvé par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et regardez bien Jean, l'apôtre Paul se dit là la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En effet, le a, a couru en Samavem. Donc je dois m'arrêter pour que me permette à chacun de nous de pouvoir poser des questions avec l'espoir que euh, la prochaine occasion nous pourra considérer à fond ce que Jude appelle le salut commun. Et non seulement euh, considérer à fond ce que Jude appelle le salut commun, mais essayer de comprendre. Le rôle de Jude jusqu'à pouvoir nous parler ainsi. Donc, nous espérons que le Seigneur a permettre que chaque monde qui tape suivre nous, nous laisse nous imprayer par l'étude de ce soir, demandant à Dieu de nous aider à comprendre chaque terme qui est utilisé dans la parole. Parce que, moins je dis ça souvent, que les mots ont leur valeur étymologique. Ils n'ont pas là pour rien. Et parcourir avec une étude. Je sais que peut-être. On dira frère dormez. Vous perdez trop de temps. Dans un verset, deux versets, trois versets. Mais écoutez. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous devons. Nous instruire. Par cette parole. Nous devons la percer. Cette parole. Nous devons nous en imprayer de telle sorte que nous camenais une vie qui conforme à la sainte et divine volonté de Dieu que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde amen